Camille Bouchard. Bonsoir, Camille. Bonsoir, Marie-France. Pierre Barre, le carré rouge. Oui, on le voit bien, j'espère. Oui, Camille, vous allez nous parler ce soir de manifestation et de conscience collective. Oui, bien, je vais d'abord vous parler d'une expérience qui m'est arrivée, qui est assez bizarre. Il y a 2-3 semaines, c'était un mardi soir à 9 h, mon modem me lâche. Alors, là, pas ça va mal. Ça va pas ça bien. Ça va vraiment pas d'Internet et, ou une grève à la SAQ pour moi, là. C'est pareil. C'est l'anti-émeute immédiatement. Et, alors, je me mets en frais de communiquer avec l'assistance technique de mon fournisseur web et je tombe sur un monsieur, accent maghrébin, qui me dit « Ah, vous avez un souci, monsieur Bouchard, vous avez un souci. » Oui, j'avais un puissant souci. Alors, je lui dis « Oui, vous pouvez m'aider certainement. » Au bout de 45 minutes, malgré mon humeur, il avait été parfaitement affable, gentil, mais il n'y arrivait pas. Alors, il dit « Je vais vous confier à une de mes collègues. » Alors, elle vient au bout du fil avec le même accent, puis elle me dit « Ah, vous avez un souci, monsieur Bouchard. » « Oui. Alors, écoutez, vous avez fait recette. » « J'ai fait recette, moi. »« Vous avez fait recette, là. Le petit bouton derrière le modem. Oh, »« Ah, recette! Recette! » Mais je l'ai fait 2 fois, oui, avec votre collègue, mais je l'ai fait avec un crayon, là, avec le bout d'un crayon à mine. « Non, 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 pas un crayon à mine. Il vous faut une tige en métal, M. Bouchard. » Alors, je le fais avec une tige en métal et, oh, ravissement, ça marche. Alors, je lui dis, « Mais ça fait longtemps que vous faites ça, madame. Vous semblez avoir beaucoup d'expérience. » Elle me dit, « 4 ans. »« Ah, mais 4 ans! » C'est fou. Moi, je pensais qu'il y avait un roulement de personnel terrible dans ces organisations-là. Mais elle me dit, pas à Tunis, M. Bouchard, pas à Tunis. Alors, écoutez, là, là, c'était une conversation de troisième type. Complètement. Une femme, 4 heures du matin à Tunis, qui m'aidait, moi, à 9 h du soir, à Saint-Joseph-de-la-Rive, dans Charlevoix. Alors, là, j'ai dit, je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai dit, comment ça va, votre évolution, madame? Puis elle m'a dit, vous savez... D'abord, ça y a pris un petit silence, puis elle m'a dit, vous savez, ça va pas très bien. Nous, enfin, pour les femmes, là, on craint, on s'inquiète. C'était assez touchant. Et vous savez, ça fait 1 an maintenant, la révolution tunisienne. Et aujourd'hui, Mohamed Bouazizi aurait 28 ans. Et Mohamed Bouazizi, c'est le jeune Tunisien qui s'est immolé par le feu et qui a finalement embrasé, enflammé... tous les pays arabes, et on lui doit un petit quelque chose, hein, parce qu'il nous a certainement aidé à retrouver une capacité de s'indigner, de manifester dans la rue. Et, on le fait, là, hein, on le fait pas trop mal. Le 22 mars, là, c'était assez formidable ce qui s'est passé. Oui. Moi, j'y étais. Et bon, on va pas faire l'amalgame des manifestations arabes et des manifestations étudiantes québécoises, on n'est pas dans le même registre. Ouais. Mais il y avait, dans cette nuée de pancartes, une pancarte en particulier qui disait « Le printemps érable ». Oui. Un beau petit coup d'œil hein, au printemps arabe et qui nous disait, dans le fond, Québécois et Tunisiens, on est peut-être dans la même mouvance à tenter de se réapproprier un petit peu de pouvoir. Les uns, évidemment, dans une démocratie naissante et vacillante, et l'autre dans une démocratie, disons, pour être poli, là, vieillissante et peut-être un petit peu dur d'oreille. Hein? Oui. Et là, je me suis aperçu que la lutte des étudiants, ça dépassait largement la hausse brutale et injuste des frais de scolarité. Et vous avez écrit vous-même sur Twitter que ça remettait la politique dans nos vies. Oui. Et c'est une belle expression, elle est vraie. Il y a un exemple qui m'est venu à l'esprit, c'est la commission scolaire de Montréal. Elle a émis un communiqué, la commission scolaire, la veille de la manif, qu'elle a diffusé auprès des parents. Et je vais vous lire la fin du communiqué, celui comme suit, tenez-vous bien. La CSDM soutient le principe que chacun doit s'impliquer dans sa communauté. Le mouvement étudiant actuel est un exercice démocratique d'implication citoyenne que la CSDM ne peut que saluer. Eh bien, pas mal, hein? En effet. Alors, une commission scolaire qui dit on encourage le débrayage de nos élèves pour motif d'apprentissage de citoyenneté. Écoutez, hein? Chapeau. Et au-delà de ça, moi, je pense que les étudiants sont aussi en train de se redonner quelque chose de très important dans la vie, c'est une identité, une appartenance à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Et ce « nous-là », le « nous » étudiant est devenu accessible à des milliers de jeunes. Et à mon avis, ça agit, ce « nous » étudiant-là, comme une espèce de vaccin immunitaire contre le cynisme, contre l'impuissance à changer les choses, et pas seulement pour les étudiants, pas seulement pour les étudiants. De fait, le lendemain de la manif, Jean-François Nadeau du Devoir publie
un magistrat dans le reportage, extraordinaire. Et il y a une phrase qu'il a dite que j'ai retenue. Il dit ceci, « Il n'y a partout que de la lumière dans le milieu des yeux. Mm. » Que de la lumière dans... Et ça, ça m'a fait écrire quelques lignes que je vais vous lire rapidement, je sais que le temps presse. « Cette lumière au milieu des yeux reflète sans doute celle qui nous habite lorsque nous sommes capables de nous nommer, de décliner une identité dont nous sommes fiers. Lors de cette manifestation, nous étions littéralement baignés dans cette lumière futée, créative, intelligente, généreuse. En fait, j'avais l'impression que nous assistions à l'accouchement d'une génération que nous devons mériter, une génération de citoyens informés, conscients et engagés, une génération indispensable. Et Marie-France, je pense que ce que les étudiants sont en train de nous dire, c'est ceci. Ce n'est pas d'une hausse de frais de scolarité dont on a besoin, c'est d'une hausse de notre conscience collective. Hmm. Merci beaucoup, Camille. Ça donne envie d'aller manifester.